Salut tout le monde, 5h du matin, je décolle dans 1 heure pour le salon de la photo. C'est la première fois de ma vie que je me rends là-bas. J'y vais évidemment pour pouvoir vous rencontrer, mais aussi pour voir de nouvelles personnes que je ne connais pas au sein des marques. Le salon de la photo, ils m'ont mis une mauvaise humeur parce qu'ils m'ont fait un badge et ils ont fait le terme influenceur. Si vous voulez me mettre de mauvaise humeur, vous me dites que je suis un influenceur. Je suis pas plus influenceur qu'un mec, un journaliste qui arrive sur le plateau de BFM TV, mais alors vraiment pas. C'est juste que je publie sur YouTube. Bref. Beaucoup vous avez été nombreux à me demander. Allez, c'est le Damien du montage qui reprend la caméra. Vous avez été nombreux à me demander pourquoi je faisais pas de conférences comme les copains. Quand on me l'a proposé, bah voilà, je pensais que j'étais pas légitime. J'avais cette image qu'au salon, ceux qui faisaient des conférences étaient les ambassadeurs et moi j'avais pas envie d'être ambassadeur de quelque chose. Mais en même temps, bah j'avais jamais mis les pieds dans le salon en fait. Et j'avais aussi sûrement besoin d'aller m'imprégner de l'ambiance, de comprendre qu'est-ce qu'il y avait là-bas. Et voilà, j'avais envie probablement d'aller jauger sur place avant de prendre un engagement. Bravo aux copains qui, eux, ont relevé le défi. Allez, bien arrivé à Paris, direction salon de la photo. Je suis un peu pressé parce que Sigma fait une conférence de presse en première mondiale. Regardez avec qui je voyage. Salut. Alexis de la chaîne Monsieur Je sais tout. C'est l'expert des drones. Et il me dit qu'on voyageait avec Nasdas. Il connaît pas Nasdas. Désolé, jamais entendu parler. Nasdas, c'est ça? Dites-moi en commentaire si vous connaissez, mais moi je connais pas, je suis désolé. Allez, ça y est, c'est annoncé. Le 70-200 de 8 de chez Sigma. On l'attend depuis très 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 longtemps. Et donc, c'est cool. C'est annoncé au salon de la photo à Paris. Donc, hâte de le tester. Pas grand chose à dire, zoom interne, ils ont mis une bague d'ouverture, ça c'est excellent. A priori, un nouveau moteur de stabilisation. Donc, ça envoie du lourd. Évidemment, des téléconvertisseurs pour la monture L, mais pas pour Sony. Hâte de le tester, a priori, je vais le tester au mois de novembre et ça sort en décembre. A few moments later. Allez, je vous fais un débrief de ce que j'ai vu hier sur le salon de la photo. J'ai pas pu filmer et c'était la folie toute la journée. Donc déjà, la rencontre avec les gens, je trouve que ça humanise tellement finalement les vues. C'est vertigineux parce qu'on se rend mieux compte finalement à quel point y a des gens qui regardent les vidéos. Et c'est quand même génial, vous avez tous été adorables. C'est vrai qu'à chaque fois, moi je sais pas où me mettre, hein, mais c'est vraiment incroyable comme expérience finalement de traverser l'écran, un peu de rencontrer les gens. En termes de produits, bon, je vous ai déjà parlé des nouveautés Sigma. Je suis allé prendre en main le nouvel objectif de chez Nikon, le 135mm 1.8 Plena. Moi en main, forcément, moi je l'ai trouvé un peu gros par rapport à ce qu'on connaît chez Sony ou chez Canon. Mais c'est vrai qu'en termes de poids, on s'attend à un objet plus dense, à un objet plus lourd. Là franchement, j'ai trouvé que le poids paraissait raisonnable. Pour autant, voilà, Nikon a décidé de lui donner son petit nom, le Plena. Il n'y a personne qui semble vraiment comprendre d'où vient le terme Plena, si ce n'est de dire que finalement, c'est un terme marketing pour venir faire passer la pilule d'un objectif qui est plus cher que chez la concurrence. On va se dire les choses. Je suis allé voir Leica aussi qui faisait une première mondiale d'un truc incroyable, bizarre, qui s'appelle le Sofor 2. C'est un appareil compact de 5 mm avec une imprimante instantanée intégrée. Clairement, hein, c'est un concurrent de ce que fait Fujifilm avec ses Instax. C'est vendu 390 €. Donc c'est un appareil un peu automatique avec une pellicule, vous sortez la photo tout de suite. Mais c'est un peu étonnant, c'est un peu comme si Porsche venait sortir une Dacia ou une Citroën Amide, vous savez, la Citroën électrique, là, son permis construit un peu en plastoc. C'est vrai que Leica, c'est une image de luxe, c'est une image de produit très très haut de gamme et très très cher. Là, un produit à 390 € signé Leica, c'est étonnant. Je dis pas que c'est une mauvaise idée, je dis juste que c'est étonnant. Je suis passé sur le stand de Fujifilm voir le GFX 102. Vous êtes nombreux hein, à me dire que vous savez pas pourquoi je boycotte les GFX alors que je traite tous les produits. Sachez que je boycotte absolument rien moi. Et à dernière nouvelle, le produit, il est maintenant en stock chez IPLN. Les clients ont commencé à le recevoir, mais Fujifilm n'a aucun exemplaire pour les créateurs de contenu ou pour les journalistes pour faire des tests. Et ça, c'est pas juste une politique française. Fujifilm France n'y peut rien. C'est une volonté mondiale de pas avoir vraiment de vidéos sur ce produit-là. Une chaîne comme Petapixel, qui est numéro 1 mondial, qui teste absolument tous les produits en exclusivité, ne l'a pas eu. Donc, il y a une vraie volonté des Japonais de dire probablement que l'audience qui est ciblée par ce produit-là, le GFX 102, c'est pas l'audience qui regarde les vidéos. Ensuite, il y a eu un truc intéressant. J'étais en grosse discussion avec Sony et il y a quelqu'un qui me parle du Leica Q3 et du monochrome incroyable du Leica Q3. Et Fabrice, qui est le responsable des hybrides de chez Sony, nous a montré comment il configurait son boîtier. Je vous l'affiche à l'écran. La recette d'un noir et blanc incroyable qu'on peut avoir sur tous les Sony.
Donc lui, ce Fabrice, il l'utilisait sur un des derniers Sony, le A7CR, mais ça marche. Moi, je me souviens qu'il faisait des photos il y a quelques mois quand j'étais avec lui, et les photos noir et blanc en JPEG étaient incroyables. Et donc, je vous affiche encore une fois la recette, mais essayez-la. Ça vous donne des JPEG du noir et blanc sur les boîtiers Sony qui sont vraiment purement étonnants. Pour le reste, le salon de la photo, finalement, moi, c'était ma première année au salon de la photo et c'est un événement vraiment très, très chouette. Moi, j'étais surpris d'avoir autant de marques finalement qui prêtent du matériel, c'est-à-dire que vous donnez votre nom, vous donnez votre carte bleue et vous pouvez repartir à l'extérieur pour tester le matos. Ça, c'est vraiment cool. Je pensais que ça se faisait qu'à des événements comme Monty Ander. Donc là, Nikon, ils faisaient ça toute la journée et ils avaient vraiment beaucoup de matériel à tester. Canon, eux, je ne sais pas s'ils prêtaient le matériel, mais ils ont vraiment des appareils à disposition et des setups et des gens, des sportifs et compagnie pour qu'on puisse un peu explorer l'autofocus. Donc franchement, ça avait l'air très, 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 très sympa. Tous les stands sont beaux, mais c'est vrai que le stand Canon, je trouve qu'il a un truc en plus, hein, avec ses néons là, et vraiment un stand qui est très central, avec une belle scène. Là aussi, ils ont amené pas mal de matériel, dont du matériel militaire dont ils m'ont parlé, des trucs qu'ils voient dans le noir, à des valeurs ISO absolument absurdes. Ça a l'air vraiment sympa aussi ce qu'ils ont fait. Ouais, bon, c'était pas du tout ce que j'avais prévu, mais on est nouveau dans la chambre d'hôtel, c'est vrai que ça s'est enchaîné. Wow, hier, on est passé au salon de la photo 1h30, super étonné par le monde qu'il y avait devant le salon de la photo. J'ai hâte de voir la fréquentation cette année, mais je pense qu'elle va être en hausse. Ça faisait vraiment plaisir devant le salon d'avoir une file qui faisait peut-être 200 mètres. Bon, nous, on a dû partir puisque on prenait le TGV pour Lyon parce que on allait au match France-Italie, donc au stade de Lyon, donc voilà. Bon, on a été interrompu, hein, même à 5h du matin, c'est le rush. Donc j'avais le taxi qui est arrivé, direction la gare TGV. Donc je disais, le stade, super ambiance, rien à dire. Moi j'ai été fasciné par, j'ai bien aimé, moi je suis comme ça, hein, je regarde les photographes qui travaillent le long du terrain. D'ailleurs c'est cool, il y en a un qui m'a spoté, qui m'a fait une photo, qui regardait mes stories, qui a essayé de me trouver, c'était super sympa. Coucou Laurent, si tu regardes cette vidéo. Et moi j'ai été fasciné par la manière de filmer. Là j'étais vraiment curieux de savoir un peu comment ils filmaient pour la télé. Et c'est vrai que les dispositifs étaient impressionnants. J'ai bien aimé voir les gens sur le terrain qui filmaient le match. Mais aussi cette caméra sur câble qui m'a vraiment fasciné. Si vous avez des informations sur cette caméra sur carte et la manière de câble et la manière dont elle fonctionne, n'hésitez pas. Parce que c'est incroyable. Une caméra qui a l'air lourde, elle est sur gimbal. Les câbles lui permettent en gros de descendre et de monter sur le stade pour filmer l'action comme personne. Et elle est capable de faire d'un bout à l'autre du terrain en littéralement quelques secondes. On voit bien que c'est ultra stable, qu'il n'y a pas d'à-coups, que ça permet réellement de filmer dans de bonnes qualités. Donc je ne sais pas si c'est un zoom ou si c'est une focale fixe. Mais voilà, si vous avez des infos sur cette caméra sur câble, ça m'intéresse vraiment. Bon, au final, je ne sais pas pourquoi je venais à la base. Et beaucoup de discussions intéressantes, ça a été vraiment cool. J'ai rencontré des abonnés qui m'ont fait remonter des trucs. Qui m'ont dit, Damien, j'ai acheté tel appareil, j'ai tel ou tel problème. Ça aussi, c'est très enrichissant, moi, quand je fais des reviews, d'avoir des vrais retours utilisateurs. Et ça, c'est quelque chose dont je suis vraiment friand quand je lis les commentaires. Bon, mon train vient de s'afficher. Désolé pour la qualité de ce vlog. J'ai filmé comme j'ai pu. Je vous ai fait un débrief. Écoutez, j'ai pas mieux à proposer. J'espère que ça sera suffisant pour le reste. C'est rigolo parce qu'un agent de sécurité vient de m'aborder pour me dire que j'avais pas le droit de filmer. Et j'ai utilisé la vidéo de Joël pour me défendre et ça a très très bien marché. Donc comme quoi, vous voyez, c'est quelque chose qui peut arriver. Et finalement, je repars avec une seule frustration de cet événement-là et c'est Fujifilm. Malheureusement, c'est toujours un peu Fujifilm avec qui c'est compliqué. Je suis allé plusieurs fois sur le stand, j'ai réussi à parler à personne. J'ai demandé sur le stand, est-ce que je peux parler à X, est-ce que je peux parler à Y. Je suis jamais arrivé. J'ai appelé au téléphone les gens avec qui parfois je peux travailler avec chez Fujifilm. Ils m'ont pas répondu, ils m'ont pas rappelé. Voilà. Toujours un peu de cette frustration d'avoir l'impression d'occasion manquée où on peut toujours essayer de faire mieux. Pas vous dire autre chose que le fait que c'est quand même un gros regret. Et vous, est-ce que vous allez aller au salon de la photo? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Dites-moi tout ça en commentaire. Ça m'intéresse vraiment de vous lire. Et voilà. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Salut.